Nathan, Nathan, dis-moi que tu vas appuyer sur la table. C'est parti. Bon, ça va. T'as plus grand chose, ça devrait franchement aller. On fait sur les côtés ou pas? Oui. On y va. Non, attends, non, on fait quoi? Les côtés, en partant du bas, on remonte vers le haut. Non, ça va, ça va, ça va. Ah, voilà, celui-là un petit peu. Ah, on fait pareil en bas. Il y a des clients. Ah, c'est ma famille. Ma famille? Ton fils, il va être choqué. Il y a les vacances scolaires. Ouais, ouais. Il me dit, écarte ma jambe, mais je peux pas. J'ai bouge peur, pas, tu vas me faire mal. Pas. Je vais à ce niveau-là et oh, là, ça va être horrible. Trois tirs. Comment ça se rendir? C'est fini là? Tu lèves les fesses maintenant. Oh non! Oh oui, c'est vrai, c'est humiliant. Oh, tiens d'accoucher. Ah oui, c'est vrai. Tu fais quoi? Je tiens mes genoux? Ouais. Alors, on va pas trop aller sur la zone lésée. C'est quoi la zone lésée? Bah, ah, tu viens d'accoucher, ma biche. Aïe! C'est fini là? Ouais. Ok. Update par rapport au lait qu'on lui donne. Je sais pas si vous vous souvenez, je vous avais dit qu'on avait vu la pédiatre qui nous avait dit de changer de lait. Et au final, on avait attendu parce qu'on s'était dit que son estomac devait mettre le temps de s'habituer, sachant qu'il est tout petit, quoi. Mais sauf que là, enfin, il va avoir un mois et je vous jure, enfin, un mois, c'est pas long. Mais quand vous voyez votre bébé crier et qu'il a mal, et c'est vraiment de la douleur parce que, enfin, on le sent, on le voit que c'est de la douleur. Bah, franchement, ça fait trop de la peine. On pouvait plus le voir comme ça. Et là, sur les deux derniers jours, franchement, c'était abusé. Les pleurs de douleur, carrément, il mangeait mal ses bibis. Il mangeait moins que d'habitude. Il dormait beaucoup moins. Enfin, on voyait qu'il était dégoûté, quoi. Et du coup, là, on s'est dit, stop, on passe au lait de riz. Parce qu'en fait, en gros, la pédiatre nous avait dit, prenez un lait plus digeste. Donc, Novagest, Modilac Gest, tous les trucs Gest. Mais en fait, on s'est rendu compte que nous, notre lait, on a le HIP. Mais c'était le HIP version digeste. Donc en fait, elle nous a dit, si ça, ça passe pas, passe au lait de riz. J'ai dû refaire la story, tu dis n'importe quoi. Ah ouais, c'est ouf. Qu'est-ce que je disais? Que là, on mélange les deux laits. Ouais, on mélange les deux laits. Ça, c'est que le deuxième biberon, du coup, il prend les deux laits ensemble. Et là, je ne l'ai jamais vu comme ça. Il s'est endormi direct après. Il ne s'est même pas tortillé, là. Alors qu'il a que la moitié de lait de riz. Je pense pas que ce soit une coïncidence quand même. Oui, c'est bon, on le voit, ton t-shirt, voilà. Et c'est toi qui me l'as offert. Oui. Et voilà. J'en suis très fière. Ouais, oui, oui. Ah là là. Bon, bref, du coup, je suis contente. Donc, je sais pas si c'est une coïncidence, je sais pas si direct son estomac, il sent la différence. Mais en fait, en gros, moi, je comprenais pas parce qu'il y a la pédiatre, elle disait oui. Enfin, il y a des pédiatres, ils disaient oui, mais en gros, une intolérance, c'est pas du tout ça. Il pleure toute la journée et c'est pas direct après le biberon que vous savez qu'il a mal au ventre. Alors que, enfin, moi, je suis par exemple intolérante à la levure qu'il y a dans les pizzas. Quand je mange une pizza, je peux vous assurer que dans les 5 minutes, j'ai mal.